Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Comme d'habitude, on commence avec l'actualité. À la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah Sisi qui a enjoint aux responsables d'augmenter les réserves stratégiques des denrées alimentaires, veillant à sa disponibilité aux points de vente gouvernementaux. Le président Abdel Fattah Sisi s'est exprimé lors d'une réunion avec le Premier ministre Mustapha Madbouly, les ministres de l'approvisionnement et de l'agriculture, ainsi que le directeur général de l'organisme des projets du Service national des forces armées. La réunion a porté sur le suivi des plans du développement de nombre de sociétés des industries alimentaires, notamment les compagnies Qaha et Etina. L'entretien a aussi discuté des efforts déployés par le Programme national pour la production des semences de haute qualité, des plans de coopération et du partenariat avec un nombre de pays experts dans la production de l'huile des palmiers ont été également examinés lors de cette réunion afin de créer une réunion, ou plutôt une région logistique pour le raffinage et la production de ce genre d'huile. Le Premier ministre Mustapha Madbouly a inspecté un nombre de projets dans la nouvelle capitale administrative. Le ministre de l'Habitat et de nouvelles agglomérations et le président de l'autorité d'ingénierie des forces armées ont accompagné Dr Madbouly lors de cette tournée. Le Premier ministre a aussi tenu une réunion au bâtiment du Conseil des ministres au cours de laquelle il a affirmé qu'aucun retard ne sera autorisé dans la mise en place des projets en cours dans la nouvelle capitale administrative. Dr Madbouly a ajouté à trois prêts à visiter la capitale administrative périodiquement pour suivre de près le déroulement des travaux, des projets en cours dans cette nouvelle capitale. Le chef du gouvernement, Mustapha Madbouly, avait également inspecté dans la matinée l'usine régionale de la compagnie Schneider Electric dans la ville de Bedr pour optimiser les investissements du secteur privé en Égypte. Dr Madbouly a salué les capacités de l'usine et son rôle dans la fourniture des apports énergétiques à un nombre de méga-projets exécutés en Égypte. Le Premier ministre a de même inspecté les dernières lignes de production de l'usine et l'application des règles de l'hygiène et de sécurité. Notons que le total des investissements actuels de la compagnie Schneider Electric dans le marché égyptien s'élève à 280 millions d'euros. Le ministre des Affaires étrangères, Samer Chokri, se rend à Bruxelles dans une visite officielle au cours de laquelle il doit délivrer un message du président Abdel Fattah Sisi au président du Conseil européen, Charles Michel. Il est prévu que M. Chokri s'entretiendrait avec les ministres des Affaires étrangères des pays de l'Union européenne au cours de sa présence à Bruxelles. Le chef de la diplomatie doit en outre tenir des réunions tête à tête avec ses homologues européens ainsi qu'avec de hauts responsables de la Commission européenne et des moyens de relancer les relations bilatérales et d'autres questions régionales d'intérêt commun. Je vous rappelle que jeudi dernier, le chef de la diplomatie, Samer Chokri, était à New York pour assister à une réunion du Conseil de sécurité sur le barrage éthiopien de la Renaissance. En fait, lors de la réunion du Conseil de sécurité jeudi, au sujet du barrage éthiopien controversé sur le Nil, l'Égypte, par la voix de son chef de la diplomatie, a accusé l'Éthiopie de menacer son existence, réclamant un règlement du conflit dans les 6 mois et un arrêt par l'Éthiopie du remplissage du réservoir du barrage. Les détails du site avec notre collègue Dalia Karam. L'Égypte et le Soudan ont convoqué cette réunion au vu des difficultés qui ont émergé pendant les négociations de l'année passée sous les auspices de l'Union africaine, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Samer Chokri lors de son intervention devant le Conseil de sécurité. Mais le long processus de négociation de ces 10 dernières années s'est avéré stérile, a ajouté le ministre. La communauté internationale doit aborder la question pour garantir la poursuite des négociations
mais aussi le maintien de la paix et de la sécurité dans la région, a-t-il ajouté. Le grand barrage éthiopien de la Renaissance menace l'existence et les conditions de vie des peuples d'Égypte et du Soudan, a souligné le chef de la diplomatie en réclamant un accord légalement contraignant permettant à l'Éthiopie de réaliser ses objectifs de développement. Monsieur Chokri a précisé que l'Égypte exigeait un règlement du conflit dans les 6 mois et un arrêt par l'Éthiopie du remplissage du réservoir du barrage. Dans son allocution devant le Conseil de sécurité, M. Chokri a rappelé que l'Égypte avait saisi en juin 2020 le Conseil de sécurité pour mettre en garde contre le danger du premier remplissage du barrage éthiopien. L'Égypte a mis en garde contre les tentatives de contrôler un fleuve duquel dépend sa survie. Elle a appelé le Conseil à intervenir pour éviter l'escalade de la tension qui menacerait la stabilité de la région. Pourtant, quelques jours après la fin de la réunion du Conseil de sécurité l'année dernière, l'Éthiopie a commencé sans aucun respect aux lois internationales le premier remplissage unilatéral du grand barrage de la Renaissance. Toutefois, la réaction de l'Égypte à cette agression contre ses droits sur le Nil s'est caractérisée par la sagesse et le respect des démarches pacifiques pour régler la crise, a précisé le ministre. L'Égypte avait accepté de prendre part à des négociations parrainées par l'Union africaine et auxquelles avait appelé le président Cyril Ramaphosa. Cependant, tous ces efforts ont échoué après un an de négociations non fructueuses, a indiqué M. Chokri. Malgré les efforts déployés par les présidents de l'Union africaine et nos partenaires internationaux, nous nous trouvons de nouveau face à l'attitude éthiopienne unilatérale. Attitude qui vise à remplir le barrage sans un accord qui garantisse les droits des paysans navals. Attitude qui est concrétisée par l'annonce 3 jours avant cette séance du début du second remplissage. Cet acte reflète, selon le ministre des Affaires étrangères, non seulement un manque de responsabilité envers les répercussions du remplissage sur l'Égypte et le Soudan, mais aussi les mauvaises intentions de l'Éthiopie. Ces dernières visent à imposer un fait accompli aux pays en aval et concrétisent un défi flagrant à la communauté internationale. Cette démarche unilatérale, a lancé M. Chokri, porte atteinte à la paix et à la stabilité régionale, raison pour laquelle l'Égypte a décidé d'appeler à une intervention urgente et efficace de la part du Conseil de sécurité pour éviter une escalade de la tension, a indiqué M. Chokri. Ceci conformément à l'article 34 du traité des Nations Unies. Le chef de la diplomatie a enfin noté que l'Égypte avait saisi le Conseil de sécurité vu sa foi à la valeur du droit international et au rôle de l'action multilatérale dans la prévention des conflits. Voilà, il faut rappeler que la communauté internationale a dû se prononcer une seconde fois sur le grand barrage de la Renaissance en Éthiopie. Voilà, ce barrage sur le Nil devrait permettre au pays de produire de l'électricité en grande quantité, mais l'Égypte et le Soudan s'y opposent depuis 2019, justement craignant pour leur approvisionnement ou non, une question stratégique, certainement pour l'Égypte et pour le Soudan, et qui menace même la sécurité nationale et les réserves, l'approvisionnement ou non. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU s'est tenue jeudi 8 juillet à New York, convoquée par le Caire et Khartoum. Les deux pays souhaitent une médiation internationale du conflit, ce à quoi l'Éthiopie s'oppose catégoriquement. Elle estime avoir une totale souveraineté sur son territoire et considère que le conflit n'est pas un enjeu de paix et sécurité et n'a pas à être traité par le Conseil de sécurité. Plusieurs médiateurs ont déjà tenté de trouver une issue à ce contentieux. Il y a eu d'abord la tentative de Donald Trump qui s'était saisi du dossier en 2019. Mais elle n'a pas été couronnée de succès, l'Éthiopie ayant refusé de signer l'accord. L'Union africaine a elle aussi tenté une résolution au conflit, mais en vain. Le Conseil de sécurité de l'ONU, saisi par l'Égypte et le Soudan, a étudié une proposition de résolution qui prévoit de reprendre leurs négociations afin de finaliser sous 6 mois le texte d'un accord contraignant sur le remplissage et la gestion du barrage. Un accord sur le barrage éthiopien controversé sur le Nil est passible entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan,
avec de la confiance réciproque, a affirmé Inger Andersen, directrice du programme des Nations Unies pour l'environnement. Mais pour parvenir à un accord optimal, la confiance, la transparence et un engagement seront essentiels, a-t-elle ajouté. Aucun consensus n'a été atteint concernant certains aspects critiques, comme la gestion des sécheresses et les mécanismes de règlement des différends, mais des progrès ont été faits d'après Inger Andersen. Dans leurs interventions, les membres du Conseil de sécurité ont tous encouragé les trois pays à surmonter leurs divergences vers un accord sous l'égide de l'Union africaine. Une autre question s'est infiltrée dans les débats. Addis Abeba avait annoncé en début de semaine qu'elle avait commencé le remplissage du réservoir de son barrage sans consulter ses voisins. La ministre des Affaires étrangères soudanaise, Mariam El-Mahdi, a indiqué que son pays demandait l'aide du Conseil de sécurité pour trouver un accord légalement contraignant. Un silence serait interprété comme un feu vert à l'Éthiopie à poursuivre le remplissage du réservoir du barrage, a-t-elle mis en garde. L'Éthiopie, qui a jugé que le conflit ne menaçait pas la paix et la sécurité internationale, a regretté que le Conseil de sécurité en débatte, avait choisi de son côté de se faire représenter par son ministre de l'eau, de l'irrigation et de l'énergie.